Eureka! Et nous allons voir comment poncer du carrelage. Voici les étapes à suivre. Et on commence par le matériel dont vous aurez besoin. Des bâches, des gants, des lunettes et un masque de protection, une serviette éponge, une ponceuse d'angle, du papier abrasif, une rallonge électrique, un chiffon, un aspirateur, un balai, une serpillière et de la lessive alcaline, type Saint-Marc. Étape 1, préparez votre environnement de travail. Si vous le pouvez, videz la pièce de tous les meubles. Si vous ne pouvez pas, recouvrez les meubles et le sol de draps usagés, de films polyane ou de bâches. Bouchez la rainure de la porte avec des torchons usagés ou des serviettes de bain usagées. Travaillez dans une pièce aérée, ouvrez les fenêtres et protégez-vous avec des gants, des lunettes de protection et un masque. Étape 2, poncez le carrelage. Mettez une feuille de papier de verre grain moyen sur la ponceuse d'angle. Poncez les carreaux de carrelage en surface. Le carrelage doit être remis à nu. Après avoir poncé le carrelage avec du papier de verre grain moyen, faites un deuxième ponçage avec un grain fin. Étape 3, les finitions. Enlevez le plus possible de poussière au sol et sur les bâches qui protègent les meubles avec l'aspirateur. Essuyez le carrelage pour enlever la poussière de ponçage que l'aspirateur n'a pas pu enlever avec le chiffon. Lessivez ensuite le carrelage et laissez sécher. Et voilà, votre carrelage a fini de muer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.